Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Fils, je pratique la thanatopraxie. Ça signifie que j'utilise des produits pour conserver le corps de cette personne. Ensuite, je vais masser ses bras, ses jambes, pour ne pas qu'il reste rigide. Et quand ça sera terminé, je vais lui redonner un peu de couleur avec du maquillage et m'assurer que son visage a une expression naturelle. C'est important que, quand sa famille et ses proches le verront, il retrouve la personne qu'il était avant de mourir. Vous m'avez fait peur. Je suis désolé, j'ai un peu de retard, mais je vois que vous avez réussi à rentrer sans moi. Mais ça va pas de surprendre les gens comme ça et on peut pas donner rendez-vous ailleurs que dans cet endroit. Mais on pouvait pas se voir dans une brasserie ou un café ou un truc comme ça. Ah désolé, je vais me présenter. Je m'appelle Stan. C'est avec moi que votre ami a pris rendez-vous. Je reconnais que c'est un endroit assez insolite, au premier abord. Au premier abord, je vois pas en quoi c'est normal de donner rendez-vous ici pour un premier rendez-vous. C'est une morgue! Bon sang, une morgue! Une morgue? Abandonnée? Et c'est encore pire! J'ose même pas imaginer ce qui s'est passé ici! Enfin, quand mon pote m'a dit que je pouvais changer de vie, il a oublié de me préciser que j'aurais affaire à un fou. Vous êtes déstabilisé, confus, je le vois bien. Vous êtes à un moment de votre vie, vous ne savez plus où vous allez. Tout le monde réagirait comme vous, c'est normal. Bon, si c'est comme ça, écoutez, je vais partir, je crois pas que vous ayez ce que je veux. Vous avez peut-être raison, mais maintenant que vous êtes là, on pourrait peut-être en discuter, pour vous en assurer. Après tout, parler, ça ne coûte rien. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. Oui, je crois qu'on peut discuter un petit peu. Pour commencer, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Parlez-moi un peu de vous. Parlez-moi de vos rêves. Qui vous êtes? Dites-moi tout. Il n'y a pas tant que ça à raconter. Ma vie est... Ma vie est simple, ennuyeuse. C'est pour ça. C'est pour ça que je voudrais en changer. C'est pour ça. Je ne veux pas continuer comme ça. Allons, ça ne doit pas être si terrible que ça. Il doit bien y avoir des choses qui vous plaisent dans votre vie. Vous ne comprenez pas. C'est pas que ma vie est terrible. C'est qu'elle est fade. Il ne se passe rien. Les jours s'enchaînent. Et c'est toujours la même chose. Il ne se passe rien. Je me lève. Je vais au boulot. Je rentre. Et c'est pareil. Tous les jours... Je ne sais pas pourquoi je continue, Ne vous inquiétez pas, vous êtes venu au bon endroit. Quand on s'adresse à la bonne personne, on trouve toujours des solutions. La bonne personne, c'est moi. Je suis spécialisé dans un commerce inhabituel. Comment ça, inhabituel? C'est pas un truc bizarre ou que je vais terminer en tôle? Parce que si c'est ça, moi, je m'en vais. Hein. Mais non, je vous rassure, rien de tout ça. Et vous êtes sûr? Parce que moi, je veux pas d'histoire, hein. Vous n'aurez que les histoires que vous souhaitez, je vous le garantis. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, c'est marrant. Pour une personne qui trouve sa vie ennuyeuse, vous avez l'air particulièrement réfractaire à l'élément de surprise. Et de la surprise, il va y en avoir. Vous voulez changer de vie? C'est précisément pour ça que je suis là. Je travaille pour une société jeune et audacieuse, grâce à laquelle on va pouvoir vous aider à accomplir votre destin. Et pour changer de vie, il vous suffit de rentrer dans un de ces tiroirs. Bon, c'est tout. T'as rien d'autre à dire. Bon, mais je m'en vais.
Hey, je suis Antonio, je suis acteur. Vous avez sûrement dû me voir dans les films tels que El Tyrannos, Blabla ou L'Aube Rouge. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi un acteur talentueux, beau et célèbre voudrait changer de vie? Ah, c'est vrai, après tout, ma vie est plutôt géniale. Avec tout mon argent, ah, je peux aller me payer un plat de spaghetti et pour cela me rendre immédiatement à Naples et me régaler. Ah, je peux aller, je suis invité partout. Les gens, ils m'adorent. Quand vous allez chercher votre pain, est-ce que la boulangère se souvient de vous, n'est-ce pas, pour vous faire plaisir? Alors que moi, je sors juste dans la rue et les gens me reconnaissent de suite, ils savent qui je suis. Ah non, et puis ils m'offrent plein de choses. Non, en vérité, ça ne m'intéresse pas. C'est pas la célébrité, je ne suis pas franchement une star, non. Si je suis devenu comédien et acteur, c'est vraiment parce que j'aime rentrer dans la peau des personnages. J'aime découvrir leur intimité, trouver l'émotion juste, le bon ton qui va. Quand je dois rentrer dans la peau d'un personnage, j'essaye de m'en imprégner, de le ressentir et de le faire partager aux utilisateurs et à tous ces spectateurs qui m'adulent. Seulement, maintenant, je ne sais pas, je n'y arrive plus. Tous les gens veulent toujours que je joue la même chose. Et tous les scripts que je reçois m'amènent à toujours jouer les choses que je sais faire. Il n'y a plus vraiment de défi. Il n'y a plus de surprise. Non, franchement, je ne sais pas, je ne m'y reconnais pas. Je pourrais jouer les choses par instinct, même dans mon sommeil. Ça n'est plus vraiment ni ce que je suis, ni ce que j'ai envie de faire, en fait. Alors, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, Antonio, hein? Et puis je peux pas laisser tomber les gens, il y a tous mes fans, non ça... Non, alors il faut que je continue. Alors c'est là qu'on m'a parlé du programme qui permettait de changer de vie. Alors, au début, j'étais un peu sceptique, c'est vrai. Laisser tous les avantages que ma situation procure pour devenir quelqu'un de banal. Un anonyme que les gens ne regardent même plus dans la rue. Bon. Puis au final, j'ai réalisé que c'était justement ça le défi. Faire d'une vie médiocre un dessin ou une destinée formidable. Et puis je me suis dit que c'était peut-être le moyen de finalement retrouver au fond de moi ce que j'étais. Et puis vous d'ailleurs. C'est peut-être une façon de rêver totalement disproportionnelle auquel vous ne pourriez absolument pas vous attendre à aucun moment. Ok, c'est super ce que vous proposez, mais j'ai pas les moyens de payer. Vous n'aurez rien à payer. Moi, c'est Spider. Je suis journaliste. Pas un de ces putains de gras de papier qui croit qu'il est là pour écrire une notice pour un magasin de meubles. Notre entreprise est encore toute jeune et nous devons faire nos preuves. Alors plutôt que de payer des sommes prohibitives... Moi, mon boulot, c'est de débusquer les secrets les plus noirs et de vous les balancer à la gueule. Nous vous demandons juste de pouvoir filmer quelques heures de votre nouvelle vie et de nous faire des comptes rendus régulièrement. J'ai jamais été fan de ces tordus qui sont davantage préoccupés par leur pognon que par leur responsabilité. Mon boulot, c'est que ces demeurés ne puissent plus jamais se regarder dans une glace sans avoir honte. Il faut bien que quelqu'un écrive sur tout ça, pour pas oublier qu'on est en train de pourrir ce monde. Mais des fois, j'aimerais bien que ce quelqu'un, ce ne soit pas moi. Les gens s'imaginent que c'est facile d'être Jésus. C'est évident. Ils me regardent. Ils voient un garçon plein de bon sens, plein d'assurance. Mais la vérité est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que, au début, j'ai voulu faire un film sur Jésus parce que j'allais avoir 33 ans. Mais la vérité, c'est que je voulais parler de moi. Je prêchais l'altruisme, mais en vérité, je célébrais l'autotruisme. Ne me regardez pas comme ça. Je sais que ce mot existe. Et puis, vous êtes qui d'abord, hein, pour me remettre en question comme ça? Enfin, je demande, mais si vous étiez quelqu'un d'important, j'aurais pas besoin de poser cette question, donc ne répondez même pas. Donc, j'en étais où avec tout ça? Parce que vous m'avez fait perdre le fil.
Oui, alors ce que je disais, c'est que depuis que je suis revenu, je suis un homme différent. C'est comme si cette expérience m'avait transcendé en quelque sorte et que je me sentais nettement plus proche de Jésus d'un coup. Et d'ailleurs, petite anecdote amusante, Jésus-Christ, hein, je voulais dire au passage. Parce que oui, moi aussi je m'appelle Jésus. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui nous rapproche avec Jésus-Christ. On porte tous les deux le même prénom. Et donc je disais, le fait d'être revenu comme ça, ça m'a transfiguré, c'est-à-dire que maintenant j'ai un amour infini pour tout le monde, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de faire de ce monde un endroit meilleur. Et donc au quotidien, il y a toutes ces questions dans ma tête, comment je pourrais aider les gens, comment je pourrais les aider à atteindre leur potentiel. C'est fatigant de tout le temps se préoccuper des autres, j'aimerais prendre un peu de temps pour moi, ne penser qu'à moi et pas me poser toutes ces questions, un peu comme vous en somme. Mais j'ai cette responsabilité, sauver le monde. Et c'est pour ça qu'on est là, finalement. Vous voyez, si je pouvais échanger de vie avec quelqu'un d'insignifiant comme vous, c'est vous qui porteriez cette responsabilité. Et donc, on rentrerait tous les deux dans un tiroir, moi dans celui-là, vous dans l'autre, et on échangerait de place grâce à cette formidable machine. Eh bien, je vous propose qu'on le fasse, parce que je sais très bien que c'est moi que vous allez choisir, finalement. Ok. Je sais quel tiroir je vais choisir. Bon voyage! Je sais ce que tu te dis. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je fasse ce que mes parents me demandent? Enfin, je te connais. Tu dois surtout te dire, oui, pourquoi est-ce que je ferais ce que maman me demande? Parce qu'avec toi, c'est toujours ma faute. Tu n'iras jamais dire à ton père qu'il t'oblige à faire des choses. Non, c'est une coupable, c'est forcément maman. Mais de toute manière, ça n'a rien à voir. Tu sais depuis longtemps que ce jour arrivera. On t'a toujours dit qu'un jour ou l'autre, tu devrais te plier à nos coutumes. Mais pourquoi il faudrait que j'accepte ça? J'ai le droit de choisir ma vie. Je n'ai pas envie d'être un pion dans vos plans. Tu ne peux pas continuer de refuser ton héritage comme ça. Ce n'est pas ce dont tu as envie qui est important, c'est ce que tu dois faire. Et si tu tenais vraiment à moi, tu ne remettrais pas en question tout ce que je te dis comme ça. Mais pourquoi il faut toujours que tu le prennes pour toi? C'est pas toi qui est concerné, c'est moi, c'est mon avenir. Pourquoi est-ce que je devrais les autres décider à ma place? Jeff, tu n'es pas comme les autres enfants. Tu trouves ça injuste, je le sais bien, mais c'est comme ça. Chez nous, à chaque génération, on choisit un enfant pour assumer ce rôle. Et que tu le veuilles ou non, tu devras bien l'accepter. Je pense que vous comprenez ce qui s'est passé. Je comprends. Pourquoi vous m'avez fait ça? Écoutez, c'est mon boulot. Vos parents m'ont payé pour vous aider à assumer votre rôle. Vous avez fait ce que vous avez dit, mes parents. Vous m'avez bien manipulé. C'est vous qui avez décidé de venir dans ce lieu. Pour que je vous aide à changer de vie. C'est votre décision. Maintenant, je n'ai plus de choix. Je suis obligé de faire ce que mes parents ont décidé pour moi. Pourquoi? Qui êtes-vous pour avoir décidé? Qui sont-ils pour décider à ma place? Maintenant, je n'ai plus le choix. Je suis obligé de suivre la vie qu'ils ont laissée pour moi. Ne le prenez pas comme ça. Vous n'auriez pas dû. Je refuse de devenir le nouvel avatar de la mort. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je suis obligé de... Assumez ce rôle. Vous n'auriez pas dû vous faire un tel ennemi. C'est bien vous qui avez décidé de venir dans ce lieu. Vous vouliez que je vous aide, rappelez-vous. Vous vouliez que je vous aide à accomplir votre destin. Ah. Attendez! Vous avez enfin trouvé votre place. D'autres la cherchent toute leur vie. Je crois que c'est aussi facile que ça. T'inquiète, ils continueront de nous imposer des trucs même quand on sera adulte. Non, pas question. Dès que j'ai 18 ans, je me casse et je ferai ce qui me plaît. Tu sais quoi? T'as raison. Un jour, je ferai quelque chose de ma vie, quelque chose d'important. Et c'est moi qui déciderai de ce que c'est.